stade de Yokohama. Enfin, je sais pas exactement dans quel stade nous sommes, mais bon, là, qu'est-ce qu'on entend que nous sommes à Yokohama. Donc, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match amical, typiquement championnat de foot japonais entre l'équipe de Yokohama et l'équipe d'Hirazuka. Donc, je vous rappelle, donc Yokohama joue en bleu, blanc et rouge. Face à eux, l'équipe de Hirazuka, enfin, ou Hirazuka, je sais plus comment on prononce, Belmar, qui joue en blanc, à rayures bleu marine et un petit peu de vert fluo. Et donc, les deux équipes sont à égalité 0-0. Mais il y a eu pas mal de tentatives des deux équipes. Attention, parce que là, il y a une occasion. Là, il y a une occasion. Le ballon est capté par le numéro 8. Le numéro 8, justement, est-ce qu'il va réussir à passer? Ah, non. Il s'est fait chipper le ballon par le numéro 8 suivi du numéro 4 du côté de Hirazuka. Allez, on continue à se donner à fond du côté, du côté des deux équipes, qu'elles soient celle de Yokohama ou celle d'Hirazuka. Les deux équipes se nomment quasiment à fond. Allez, on continue à jouer. Là, le ballon est pour l'équipe de Hirazuka, mais il est récupéré par l'équipe de Yokohama. Eh oui, est-ce que le ballon va être récupéré par... Oui, il avait été récupéré par le numéro 11 du côté de Yokohama. Je sais pas qui c'est celui-là, mais il est très fougueux, il est très rapide. Oula! Et faute! Une faute du côté de chez Belmar Hirazuka. Ce qui donnera un coup franc pour l'équipe de Yokohama. Voilà, coup franc, voilà. Donc, free kick, ça dépend comment on l'appelle. Bref, un coup franc donc pour l'équipe de Yokohama. Faut qu'ils fassent gaffe, les joueurs d'Hirazuka, parce que là, ils se font un petit peu avoir. Le tir va être effectué par le numéro 9, dont je ne sais absolument pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il passe par là? Il aurait pu tirer directement, on sait jamais. Bon, pas grave, c'est pas grave. Passe du numéro 5. Ah, oh là! Oh là! L'autre qui s'est fait bousculer, mais... D'une violence poussée à l'extrême. Attention, parce que là, on est en train de forcer un petit peu plus le verrou du côté de Yokohama. Attention, là, les joueurs d'Hirazuka sont complètement débordés. Oui, dévié par l'équipe, par un des joueurs de l'équipe de Yokohama. Récupéré une nouvelle fois par le numéro 4 de Yokohama. Attention, non, c'est récupéré de justesse par l'équipe de Hirazuka. Alors que c'est une touche pour Hirazuka. Ah non, mais les deux équipes se donnent vraiment mais à fond, hein. Mais à fond la caisse, quoi. C'est dingue, ça. Allez. On continue. Le ballon est de nouveau récupéré par l'équipe d'Hirazuka. Attention, oui. Voilà, c'est bon. Récupéré par les joueurs de l'équipe de Yokohama. Passe du numéro 11. Passe du numéro 10, passe du numéro 6, passe du numéro 7, qui passe au numéro 18. Le ballon est capté par le numéro 11 de Yokohama. Va-t-il passer? Ah, dommage, le ballon a été récupéré par un des joueurs de l'équipe de Hirazuka. Allez, on continue à progresser du côté de Yokohama, on ne lâche rien. Ballon toujours capté par l'équipe de Hirazuka. Passe du numéro 5. Le numéro 5 justement qui va faire une passe. Attention, est-ce que... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, tout va bien. Le ballon est récupéré par le gardien de Yokohama, dont je ne sais absolument pas son nom. Je suis désolé, étant donné que tout est en japonais. Mais c'est pas grave. Alors que, oui, le ballon est récupéré par le numéro 11 du côté de Yokohama. Attention, oui. Oh, il va. Là. Va-t-il passer? Il est passé! Attention! Ouh là! Non! Ouh là 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 là! Oh, mais récupère le. Voilà, oui. Oui, j'ai cru qu'il allait pas réussir à récupérer le ballon. Excusez-moi. Mais c'est tellement un véritable match de foot. Je sais pas pourquoi. Attention, parce que là, pour l'instant, les joueurs de Iratsuka sont toujours en alerte. Et récupéré une nouvelle fois par les joueurs de Yokohama. Et ouais, récupération du numéro 11. Oui, il est bien celui-là. Il est bien. Je l'aime bien ce numéro 11. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, j'aime bien celui-là. Franchement, il est rapide. Il force bien. Ouh! Et non, l'arbitre ne siffle pas la faute. Et toujours 0-0 entre Irazuka et Yokohama. Le ballon est capté par le numéro 8 du côté de Yokohama. Attention, il faut faire gaffe. Passe du numéro 9 de Yokohama. Allez, on continue. Est-ce qu'il va marquer? Attention, il va tirer, il va tirer, il va-t-il tirer? Récupéré une nouvelle fois par le numéro 11. Allez, petit tir. On compte tous sur toi. Est-ce que... What? Non! C'est dévié, c'est dommage. Attendez, c'est pas fini, parce que là, pour l'instant, c'est le numéro 10 de Yokohama qui a de nouveau le ballon. Va-t-il passer? Il est passé, oui. Allez, on se donne à fond. Allez, on continue. Allez, les gars. On y croit. Est-ce que ça va passer? Attention, il s'approche de plus en plus. Va-t-il tirer? Va-t-il tirer? Est-ce que... Oh non! Non, c'est... Ah, stoppé net par le gardien d'Iratsuka. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Franchement, j'y ai cru, j'y ai cru. Est-ce que... What? Non, c'est dévié, c'est dommage. Ah, attendez, c'est pas fini, parce que là, pour l'instant, c'est le numéro 10 de Yokohama qui a de nouveau le ballon. Va-t-il passer? Il est passé, oui. Allez, on se donne à fond. Allez, on continue. Allez, les gars, on y croit. Est-ce que ça va passer? Attention, il s'approche de plus en plus. Va-t-il tirer? Va-t-il tirer? Est-ce que... Ouh non! Non, c'est... Ah, stoppé net par le gardien d'Iratsuka. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Franchement, j'y ai cru, j'y ai cru. Et toujours 0-0 entre Yokohama et Iratsuka dans ce derby de la préfecture de Kanagawa. Dire que franchement, les deux équipes se donnent mais vraiment à fond, mais le match est tellement mais serré, mais que bah, qu'on ne sait pas laquelle des deux équipes va craquer en premier, quoi. Allez, passe numéro 5 du côté de Iratsuka. Attention, 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 il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Est-ce que... Oh là, oh là, oh là, oh là, où je attention, oh là là, non, c'est la but! Et ouverture du score de l'équipe d'Iratsuka Belmar. But signé par le... Bah, j'arrive pas à noter son nom, mais en tout cas, un énorme GG pour ce joueur. Ah, c'est le numéro 14. But signé pour le numéro 14. Bon, je connais, j'arrive pas à identifier son nom, étant donné que tout est en japonais, mais c'est pas grave. En tout cas, ouverture du score de l'équipe de Belmar Iratsuka. Ah là, mais là, c'est... Mais je savais que quelque part, il y aurait eu... Je sentais qu'une des deux équipes allait marquer un but, mais je savais pas que c'était... Je sais pas laquelle c'est, mais bon, peu importe. Donc, ouverture du score de l'équipe de Belmar Iratsuka, 1-0 grâce à ce joueur, le numéro 14. On va voir quand même au ralenti.
Voilà ce qu'on peut, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un très beau tir récupéré par le numéro 14. Et le gardien de Yokohama, mais c'est un petit peu fait baiser, si je puis dire. A qui a essayé de stopper, mais, enfin il l'a stoppé, mais malencontreusement, le numéro 14, dont je ne connais pas le nom, a réussi à trouver une percée et à marquer. Et, mais bon, assez, bon, c'était assez dur. Mais bon, au moins il a réussi. En tout cas, ce qui permet à Iratsuka d'ouvrir le score. 1-0 face à l'équipe de Yokohama. J'en profite pour faire un petit point historique. Yokohama est un des plus grands ports de l'archipel nippon. Qui figure également dans le livre Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Attention! Attention! Et il faut réagir du côté de Yokohama! Il faut marquer, il faut espérer l'égalisation! Attention! Oui! Égalisation de Yokohama! Magnifique! Ah, il fallait vraiment le faire! Eh ben, bravo! Cher monsieur, qui que vous soyez, franchement, vous avez. Franchement, GG, vous avez réussi à égaliser. Donc, but égalisateur marqué par le numéro 8, dont je n'arrive pas à identifier le nom, étant donné que tout est en japonais. Alors, oui, le jeu est en japonais, je vous le rappelle. En tout cas, très beau but. Et un immense GG pour ce joueur, ce qui permet à l'équipe de Yokohama. D'égaliser un partout donc. Ah, franchement, mais je savais que quelque part ils allaient égaliser parce que je sais pas, je le pressentais, je le pressentais, je sais pas pourquoi, mais je le pressentais. Allez, on va voir ça au ralenti. Allez, waouh, magnifique ballon capté par le numéro 8 et qui a tiré, mais. Mais il a tiré, mais sans hésiter, quoi. Il a tiré, mais direct. Wow. Eh ben, GG, mec, franchement, il fallait vraiment le faire. Surtout pour tirer un but égalisateur comme celui-là. Et ce qui est donc une inégalité parfaite entre Yokohama et Iratsuka. Oui, récupéré de justesse par le numéro 14 d'Iratsuka. Qui passe au numéro 10. Le ballon est toujours en possession de l'équipe de d'Iratsuka. Repris par les joueurs de Yokohama. Et c'est la fin du match. Et ben, pas de vainqueur dans ce match qui était mais vraiment serré, mais comme c'est pas permis. Et match nul entre l'équipe des Marinos de Yokohama, ou Yokohama, tout, oui, de Yokohama et celle d'Iratsuka. Un partout donc entre les deux équipes. C'était vraiment un match mais serré, serré. Franchement, je vais pas vous mentir. Franchement, c'était bref, c'était vraiment ce qu'on, c'était un derby spectaculaire. Et qui plus est, un match spectaculaire. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. Donc, je rappelle le score. Un partout donc entre l'équipe de Yokohama et celle de Belmar Iratsuka. Voilà, donc match nul total entre les deux équipes. C'était donc GQ G-League 1999 Perfect Striker 2, qui est la suite de GQ G-League Perfect Striker que j'avais déjà testé, qui était en fait la version japonaise de International Superstar Soccer 2000 sur N64, puisque c'est un jeu N64. Voilà donc, le sorti en 1999 sur N64, édité par Konami. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Et que ce match aussi vous a plu. Si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu là maintenant. Et d'ici là, salut!